Premier jour des recherches. Il nous a fallu 2 jours pour atteindre cette île perdue. Les ruines étaient droit devant nous, mais nous sommes épuisés. Le professeur Taureau a tout de même trouvé l'énergie de déchiffrer la gravure Sonao sur la dalle de pierre. Lorsque le cercle de dragons au plus profond du labyrinthe sera éveillé, la récompense due te sera donnée. J'ai eu bien du mal à contenir mon excitation devant une telle énigme. Hélas, le professeur était trop fatigué pour continuer les recherches et a dû repartir sans attendre. Il me faut donc explorer sans lui les ruines qui se dressent devant moi. À l'aide de glands et fruits d'oiseaux, je vais marquer le chemin que j'emprunte afin de ne pas me perdre. En absence du professeur Taureau, j'ai 2 fois plus de responsabilités, mais aussi 2 fois plus de travail. Comment tu vas mettre des glands, ça flotte? Ou c'est pas profond? Ah, c'est pas profond. Il s'agit d'inscriptions Sonao. Vous ne pouvez pas les déchiffrer. Bon, ben on est parti, hein. Ah, là, c'est profond. Ok, il y a des endroits plus profonds d'autres. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose. C'est quoi? On voit pas la carte elle-même. Vous avez enquêté dans les 4 régions. Non, c'est pas ça. On n'a pas de quête approfondie. Attendez. Je regarde. L'arme ultime. C'est pas la même place. Ah, là, c'est terminé. Bizarre qu'on n'a pas de quête comme dans le premier. Bon. Et pourquoi on voit pas le sanctuaire comme dans le premier, on le voyait à l'intérieur? Ah, voilà. Ok. Donc, je sais. On peut pas zoomer, c'est quoi ça? De toute façon, on n'a pas accès par là. Ok. Pourquoi il y a 3 troncs d'arbres ici? Rien de précis, ok.
On va faire notre réserve de glands et de fruits d'oiseaux. Hein. On n'a pas croisé un seul coffre, dis donc. Ok. Ah, il y a une table là-bas. Deuxième jour des recherches. J'avance avec précaution. Je dois veiller à ne pas me faire contaminer par les miasmes qui polluent ici. Il suffit en effet de les toucher pour que le corps se retrouve envahi. Le professeur Taureau a bien fait de ne pas rester. Dans son état, cette exploration aurait été trop dangereuse. Mais ces miasmes sont bien mystérieuses. À ce propos, je me demande qu'est-ce que la princesse et son chevalier servant, partis enquêter sur le phénomène du château d'Hyrule, ont été retrouvés. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Regarde s'il n'y a pas une entrée quand même. Ah, bah ici. Alléluia, je crois qu'on a trouvé. Ouais. Pourquoi y a-t-il ça? Un coffre? Peut-être. On va se reperdre. Je sais pas pourquoi je le sens. Oh, c'est quoi ça? Espadon de sonium robuste. Donc il y a bien une arme cachée. Ah oui, on a des belles armes quand même, hein. Sortir de la sacoche pour voir celle-là, ça me fait quoi? Ah, c'est une de 10 comme ça, ok. Ouais. Où on va pouvoir mettre... quelque chose de Sonao. 24. 25. Non, mais j'en ai qu'un comme ça. À prendre celui-là, tant pis. J'ai pas la bonne arme. Et du coup, ça me fait une arme à 39. Ok. On est reparti. Thank you.
Je prends les trucs parce que je veux. On revient pas dans ce genre de d'endroit en fait. Troisième jour des recherches. J'ai trouvé une relique Sonao. Enfin, je dois retrouver le professeur Taureau au plus vite et lui annoncer la nouvelle. Mais pour cela, je dois d'abord vaincre ma curiosité qui me retient dans ces ruines. Comment atteindre le niveau inférieur que j'aperçois depuis les pieds, cette pièce? Inférieur. Ah, ok. Donc oui, il va avoir trois étapes aussi. Sanctuaire Iga Xuk. Bénédiction. Très bien. Petit coffre. Grande orbe énergie. Ok.